Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui voit enfin le jour. J'ai cru que je n'allais jamais pouvoir vous la sortir à temps. Mais voilà, ça a pris plus de deux semaines de tournage entre la fabrication des déguisements, le tournage final avec les poneys qui s'est pas forcément passé comme il fallait. J'ai dû m'y reprendre deux fois. Le premier tournage s'est très mal passé, les déguisements ont pris cher et j'ai dû revoir les déguisements en une nuit pour pouvoir refilmer le lendemain pour que cette vidéo-ci sorte avant Halloween. C'est un objectif personnel que je me suis fixé de vous refaire cette vidéo-là qui m'avait énormément plu il y a plusieurs années. La toute première et la seule date d'il y a 6 ans lorsque j'avais fait le déguisement de Bilbao en épouvantail et j'avais également fait mon propre déguisement. Et voilà, je me suis dit, cette vidéo-là, il faudra que je la refasse. Sauf que là, cette fois-ci, il n'y avait pas un déguisement à créer, mais bien trois. Pour ma part, j'ai pas créé de déguisement parce que le temps que j'ai pris à faire déjà ce déponer, j'ai dit que moi, voilà, on va mettre ça à part, on va trouver un déguisement qui va bien avec. Mais voilà, ça a pris beaucoup de temps. Mais la météo surtout n'a pas été avec moi durant ces deux semaines. C'est de la pluie et du vent non-stop. Du coup, j'ai fait comme je pouvais. Comme je vous ai dit, lors du premier tournage final avec les costumes sur les poneys, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent et malheureusement, les costumes ont pris cher. Surtout celui de Gossip qui s'est arraché parce que vous verrez, il est fait en carton. Et voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et que le travail que j'ai fourni vous plaira aussi. Du coup, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Commençons par le déguisement de Golden et pour elle, mon choix s'est porté sur une petite araignée et je tiens à souligner que Golden a été topissime durant le tournage, elle n'a quasiment pas bougé, elle n'a pas eu peur de son déguisement. Pour la base du déguisement et Golden n'étant pas noire, il me fallait une matière assez moulante pour pouvoir lui mettre sur elle. J'ai donc acheté une housse pour les tables de bar qui est en matière polyester et j'ai utilisé une couverture à elle afin d'avoir les mesures pour pouvoir faire les premières découpes. J'ai ensuite collé avec du double face des petites baguettes qui vont pouvoir me permettre par la suite d'accrocher les pattes de l'araignée. J'ai ajouté des scratchs au niveau du poitrail pour pouvoir fermer le déguisement sur Golden. On passe ensuite à la fabrication des pattes de l'araignée et pour ce faire, j'ai acheté des petits tuyaux en mousse que je suis venue peindre avec de la bombe noire. Afin de pouvoir fixer les pattes sur le déguisement, on a utilisé avec mon chéri des bouchons qu'on est venu visser sur les baguettes, ce qui va nous permettre de pouvoir enfiler sans fixer les petits tubes en mousse. Et comme ça, lorsque j'irai le mettre sur le dos de Golden, elle n'aura pas directement les 8 pattes de l'araignée qui lui arrivent sur le dos. Ce sera beaucoup plus délicat et même par la suite, on pourra réutiliser les tubes en mousse. Afin de ne pas juste avoir des tuyaux tout droits, je suis venue avec du fil de fer plier les tubes en mousse afin d'avoir des vraies pattes d'araignée. Pour ce qui est de la tête de l'araignée, j'ai fait très simple, j'ai simplement réutilisé un masque anti-mouche de Golden où je suis venue coller des petits yeux. Alors sur la vidéo, on voit que j'ai pu mettre autant des gros yeux que des petits yeux, sauf que malheureusement suite au premier tournage, les petits yeux sont partis, du coup j'ai simplement remis pour le deuxième tournage des gros yeux.
Et ensuite, avec de la fausse toile d'araignée et des petites araignées décoratives, voici le déguisement de Golden. On passe ensuite au déguisement de Bilbao, et Bilbao, ça paraissait évident que j'allais le déguiser en citrouille avec son gros bidou. Et pour sa réalisation, j'ai utilisé un grand tissu orange où je suis venue prendre des mesures d'une de ses anciennes couvertures afin d'englober seulement le ventre de Bilbao, laissant dégager ses membres. J'ai découpé du coup deux fois la même mesure. Je suis ensuite venue tracer avec un crayon de papier les futures rainures de la citrouille, sauf que sur les plans, on peut constater que j'ai fait des arcs de cercle, alors qu'il fallait simplement que je fasse des lignes droites, car avec le bombage, ça va faire naturellement l'effet rond de la citrouille. Et je suis également revenue découper un troisième morceau identique aux deux premiers. Voici la plus grosse étape de ce costume, la couture. Et non, ce n'est pas moi qui ai cousu le déguisement, c'est la maman de mon chéri qui s'est gentiment proposée. Et du coup, on a commencé par coudre les rainures de la citrouille. Et c'est pour ça que j'ai découpé deux fois le même morceau afin de pouvoir faire le rembourrage. Avec le rembourrage d'un panier que Laïa m'a tué dernièrement, j'ai utilisé la mousse afin de pouvoir faire le rembourrage de mon déguisement. J'ai donc rempli chaque rainure de la citrouille. Pour ensuite refermer avec la machine. Pour créer la tige de la citrouille, j'ai utilisé la même procédure que les pattes de l'araignée en utilisant un morceau de bois et une vis pour visser un bouchon. J'ai ensuite utilisé un deuxième bouchon que j'ai coupé un peu de biais afin de faire une tige un peu plus réaliste. On est ensuite venu coudre la troisième partie que j'avais créée afin de pouvoir retourner le déguisement et que les tracés que j'ai pu effectuer dessus soient à l'intérieur et non plus visibles à l'extérieur du déguisement. Et pour terminer, on a ajouté deux petites sangles qui vont me permettre de fermer le déguisement sous le ventre de Bilbao. Et pour décorer le dessus de la citrouille, j'ai utilisé des petites feuilles. Et pour la réalisation du chapeau, c'est exactement la même procédure que pour le corps. Et voilà ma petite citrouille vivante! Terminons avec le déguisement qui m'aura pris le plus de temps et qui aura eu le plus de galères, le déguisement de Gossip qui s'est transformé pour Halloween en dragon. Commençons par la réalisation des ailes. J'ai utilisé un carton et un modèle sur Pinterest que je suis venue reproduire sur le carton et ensuite je l'ai découpé au cutter. Et j'ai utilisé ma première aile pour pouvoir en découper une deuxième.
J'ai utilisé du vieux fil électrique afin de réaliser, je crois que c'est ça, hein, les os des ailes du dragon. Et c'est surtout également pour créer du relief sur mes ailes. Et du coup, je suis venue les scotcher. Place ensuite à la peinture qui sera noire. Pour la création de la queue du dragon, j'ai utilisé une nappe en toile cirée afin que ce soit assez souple et que ça suive bien le corps de Gossip, et je suis du coup venue découper une lamelle. Et je suis venue arrondir le bout de la queue. Et j'ai ensuite, bien évidemment, peint la queue en noir. Et pour les pics, j'ai simplement réutilisé le carton où j'ai découpé les ailes et j'ai créé des sortes de petits sapins, c'est ce que ça me fait penser, où du coup je suis venue couper en deux le pied qui va me permettre par la suite de fixer les pieds sur la queue. Et ça part également à la peinture. Et pour accrocher les pics sur la queue, je vais utiliser simplement du scratch qui va me permettre par la suite de pouvoir retirer les pics s'ils sont trop abîmés au lieu de simplement les coller directement sur la queue. Je suis venue peindre en rouge les pointes de mes ailes afin que ça crée un peu plus de relief, et j'ai fait exactement la même chose avec les pics de la queue. Place à la dernière création qui sont les cornes de Gossip. Je me suis inspirée d'un modèle sur Pinterest, de base ce sont les cornes de Maléfique, mais je trouvais ça sympa de les créer pour mon dragon, et du coup je me suis simplement inspirée de ce modèle. Que je suis bien évidemment allée peindre en noir. Et j'ai également peint les bouts des cornes en rouge pour avoir les mêmes reflets que le reste du déguisement. Pour pouvoir fixer les cornes sur la tête de Gossip, j'ai également utilisé du vieux fil électrique que je viendrai fixer sur le licol de Gossip. Et également un morceau de fil pour la queue que je viendrai fixer sur le surfait, car les ailes seront également fixées sur un surfait. Et voilà mon petit dragon cracheur de feu ou brouteur d'herbe, à vous de choisir, qui s'est fait la malle durant le tournage et qui ne voulait plus se laisser attraper. Reviens là, dragon! Et voilà, ma petite équipe est fin prêt pour pouvoir fêter Halloween. Dites-moi en commentaire le déguisement que vous préférez. Je suis très curieuse de savoir.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette petite fabrication également vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir et d'un côté, je suis très contente d'avoir pu dompter le temps, que malgré la pluie qu'il y a eu, bah voilà, j'ai quand même réussi. Je suis allée jusqu'au bout. Je suis quand même très contente des déguisements que j'ai fabriqués à mes poneys. À voir si par la suite, bah, je recommencerai des déguisements, mais avec du matériel de plus haute qualité, parce que là c'est vrai que c'était vraiment avec ce que j'avais sous la main, le but étant d'acheter le moins possible et de créer des déguisements avec ce qui traîne à la maison. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner également si c'est pas le cas et à enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon je vous souhaite un joyeux Halloween qui va bientôt arriver et on se dit à la prochaine. Salut !